Ça. Bah chez vous. Chez moi. Bah oui, ça fait partie du réveillon surprise, non? Oui, mais... Ah bah c'est l'enthousiasme. Ah non, c'est pas ça, mais... Bah quoi, vous êtes seul? Évidemment. Bah alors? J'ai pas le droit de parler. Descendez de ce cheval. Laissez-moi. Madeleine, descendez immédiatement. Ça, c'est pourquoi? Parce que normalement, c'est moi qui suis ridicule. T'avais qu'à pisser quand t'es au numéro 3. Pauvre mère. T'as pas le droit. Chut. De neuf. Rien. Et ton ami? Il avait une autre soirée. Et il t'a pas emmené. Votre bracelet montre. Aurel. Le chapelain bénira votre union demain matin. C'est du bien ce qu'est le mariage, Aurel. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Mais je pleure pas, c'est la pluie! Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. Faut pas. Tu cites Baudelaire maintenant. Ah bon? Je suis impossible, hein. Je savais pas. Moi non plus. Oh, vous avez bien fait. J'en suis sûr. Oh. Ah. Salut. Je suis Jim. Je t'ai vu à la fête l'autre jour. Je suis l'ami de Paul et Shirley. Est-ce que vous allez vivre aussi dans la maison? Ah non, non, j'ai juste les clés pour prendre le courrier et ma moto est dans le garage. J'en ai pas chez moi. Ah. Vous voulez que je vous finisse toute la vaisselle? Ils sont toujours amoureux de toi. Non, c'est nos copains. Ils nous ont pas oubliés. Ils nous aiment, c'est tout. C'est toi qu'ils aiment, pas moi. Oh, qu'il allait se faire peindre. Augustine! Augustine? Non, ici c'est Solange. Tu n'aurais pas vu Augustine? Mmh, cherche aux chiottes. Oh, la garce. Il me la jette qui te nuire. Allez. Écorche-le! Prince, prenez garde. À votre gauche, à votre droite. Arrêtez!
I can't bear the thought of your torture. Take it. C'est terrible ce qui arrive aux acteurs de tragédie. Ils naissent au vérin de la scène 1, de l'acte 1, pour disparaître au dernier vers du dernier acte. Et en quoi consiste leur travail sinon à souffrir? Souffrir. Souffrir. Alors il fuit la scène parce que... I should withdraw. This is turning out absurdly. Anna Arkadyevna, will you stay to supper? I have a wonderful cotillon in mind. No, I won't stay. I've danced more at this ball than I had in whole winter in Petersburg. That these lovers speak of? Yeah, more strange than true. I never may believe these antique fables nor these fairy toys. Lovers and madmen have such seething brains, such shaping fantasies that apprehend more than cool reason ever comprehends. 5 more turns and your neck will break. I've always had a power over men. When I realized my father wouldn't rescue me from the kidnappers, I knew I had to form another alliance. The rose around le 2. Étage. Moins 1. Étage. Moins 2. C'est dans la vie. J'écris, je suis scénariste. Vous travaillez? C'est mon mari qui travaille. Il est dans le BTP. Et ça veut dire quoi? Bâtiment travaux publics. Côté cœur. Bah, il a le vélo. Tu m'as pas vu tomber? T'es passé devant moi sans me voir? Mais non, je t'ai pas vu. Marido, à l'avenir, j'aimerais du mercurochrome incolore dans la trousse d'urgence, s'il te plaît. J'aurai mon déjeuner. Ma patience a des limites. La mienne aussi. Je te quitte, je demande le divorce. Attends. Et si le chien, il est en pâte à molle? T'as trouvé un acteur ou pas? Mais non, je comptais sur toi. Eh ben alors, démerde-toi. Putain, c'est pas possible. Les clés de bagnole, 23 sur 1, première. This is John Shaw. Oui, ma'am. This is André and Michel. Voici votre professeur anglais, Monsieur Shipley. We are very pleased to be meeting you, Mr. Shipley. Very pleased to be meeting you, too. Allow me to introduce the others. This is my father. And this is Madame Blanche, a close friend of my father's. On ne va pas dormir, on n'a pas sommeil. On dormira pas. Fais une histoire triste.
je te joins pendant l'apéro, ok? Ok. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai trouvé un truc au clair avec mon frère. Personne ne descend avant mon signal. On a un problème. L'ancienne amante Suzy est là. C'est pas drôle. Je vais t'expliquer, c'est pas du tout ce que tu crois. Ouais, explique-moi. C'est Stéphane qui a remis ça avec Mehdi. Et ils ont vidé toute la boîte de capote? Mais je peux te la vider, la poubelle. Maman, ça va, merci. Je t'écoute. Mais je sais pas, moi, j'étais pas avec eux, j'étais ici, et puis... Tu te fous de moi, Lola? Mais non, je me fous pas de toi, maman, je te promets, Tu te fous de ma gueule, là, Lola? Non, je me fous pas de toi. Quoi, ça, tout ça, là? On peut plus vivre dans ce bordel, c'est plus possible. Ouais, je sais, mais... T'as appelé Gonzalo? Ouais. Hein, pourquoi il est pas venu? Qu'est-ce que tu fous de tes journées? Hein, je bosse comme un animal, moi, je peux pas tout le temps être derrière toi. T'as une seule pauvre chose à penser, c'est assurer le suivi de ce putain de chantier. T'es même pas foutu de... Ça n'empêche que moi, j'ai besoin de quelqu'un qui disparaisse pas au bout de 3 jours. Vous avez des notions d'infirmerie? Non. Non. Est-ce que vous savez faire la cuisine? Ça, c'est important. Ah bah ça tombe bien, j'étais cuistot à l'armée. Je parle de cuisine, pas de tambouille. Ils m'ont hospitalisé 2 fois, pour être sûr que ça venait pas du cœur. Mais ils ont rien trouvé. Mais vous voyez bien, madame, que vous n'êtes pas en état d'aller moisir en prison. Ah, faut vous soigner. Vous trouverez des médecins qui trouveront. Non, mais j'ai pas besoin. Moi, j'ai trouvé à force. Et c'est pour ça que je suis là. Vous disiez ? Non, rien. J'attendais que vous me posiez une question. Ah, mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes... un peu trop vieille pour être élève thérapeute ? C'est-à-dire que... C'est fou ce que tu me plais, c'est dingue. C'est dingue. Heureusement que tu me dragues pas. Non, je te drague pas. J'ai pas du tout envie qu'il se passe quoi que ce soit entre nous. J'aime ma femme. Je suis fidèle. Mais bon, toi... Toi... Elle a de la chance, ta femme. Hein. J'espère qu'elle le sait. Me donner quoi là en échange de ma douche cassotée? C'est ça, ouais, t'as raison, baisse les yeux. Regarde-toi là quand t'es ça. With your master. Mom, I won't go! Yes. Mom, I won't go! Yes, you have to live. You are our only hope.
You are our only hope. Oh. Ouais, bah moi non plus, regarde, je suis en pleine nuit des morts vivants. C'est maman. Quoi? Son état s'est empiré. Ah bon, mais elle allait bien pourtant quand je suis partie, sinon je serais pas partie. Écoute, je t'appelle parce que, tu sais, elle a demandé à ce qu'on lui injecte un produit si elle avait vraiment trop mal. Oui.